Vierge, bonjour, bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo donc de lecture de vos énergies. Donc c'est une lecture générale des énergies de vie sentimentale pour les célibataires. Elle concerne la période estivale juillet et août 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Moi je suis ravie de vous retrouver. Avant de démarrer, je vous informe que cette chaîne est toute nouvelle. Donc j'ai vraiment besoin de vos retours, de votre soutien également pour pouvoir la pérenniser, la développer, la faire grandir. Donc n'hésitez pas, si cette vidéo vous apporte quelque chose, à vous abonner, à mettre un like, à me laisser un commentaire. C'est une interaction qui va être nécessaire pour le développement de cette chaîne. Allez, on passe tout de suite à la lecture des cartes. Ce que vous laissez derrière vous, c'est la 10 d'épée et la lune. C'est pas rien, c'est pas rien. Je pense que là, vous quittez une situation qui vous a probablement fortement malmené. De toute évidence, il s'est passé quelque chose qui vous a maintenu pendant un certain temps dans des pensées qui étaient sans doute angoissantes pour vous, qui n'étaient pas toujours très claires non plus, qui étaient peut-être privées de la lumière du jour et qui agitaient sans doute vos nuits. Là, vous arrivez à la fin d'un cycle. La 10 d'épée, c'est une fin de cycle. C'est donc quelque chose de nouveau qui démarre. Je pense qu'il était temps pour vous là de sortir de cette situation. C'est vraiment, alors soit c'est vraiment là derrière vous, soit c'est en voie pour être derrière vous. Vous avez fait un parcours éprouvant émotionnellement et vous commencez à, là enfin à reprendre un petit peu votre souffle, à reprendre un petit peu vos esprits. Et je pense qu'il était temps. Il était probablement temps pour vous d'y arriver à ce moment, à ce 10. Votre état d'esprit, vous avez la 5 d'épée et la 8 de coupe. Alors la 5 d'épée, ça ne m'étonne pas du tout, hein, parce que forcément, c'est une carte qui représente le sentiment d'injustice. C'est une carte qui représente un sentiment de perte aussi. C'est une carte qui nous parle quand même également de l'apprentissage que vous êtes en train de faire quand on traverse des périodes qui peuvent être vraiment éprouvantes comme ça. Forcément qu'on en ressort différent, donc forcément qu'on a appris des choses. Et cette carte-là évoque justement ce que vous avez appris. Vous tournez le dos avec la 8 de coupe à ces circonstances. Avec la 8 de coupe, là, je pense qu'il est temps pour vous d'avancer. Vous avez fait probablement le tour de la question. Je pense que vous avez essuyé, parce que c'est aussi ce qu'induit la 5 d'épée, c'est probablement quelque chose qui est arrivé d'une façon assez inattendue et qui vous a vraiment impacté. Donc vous avez fait le tour de tout ça. Et vous, là, vous êtes en train de vous redresser. Vous faites le choix de mettre un pied devant l'autre, comme ce personnage sur la carte, et puis de regarder de nouveau devant vous, de regarder de nouveau l'horizon. Même si vous y allez en portant en vous les impacts de votre histoire, vous faites le choix d'être vous de nouveau. Peut-être même pour certains avec quelque chose qui se rebelle un petit peu. Quand on passe comme ça une période qui est peut-être un peu longue pour certains qui a bougé les choses d'une façon profonde, d'une façon intime, quand on se relève de tout ça, on a ce côté un peu brave, oui. Je pense que vous êtes en train de vous relever. Franchement, je vous félicite parce que je ne sais pas de quoi il s'agit pour certains d'entre vous, mais je pense que c'est quelque chose qui a été, qui vous a vraiment impacté. Vos actions, ce que vous mettez en place, c'est la 6 d'épée pour le 10 de pentacle. D'une certaine façon, je le dis comme ça, vous passez un cap. La 6 d'épée, c'est ça, ça nous indique que vous êtes en train de passer un cap. Et puis c'est sans doute un cap très très important pour vous, parce que ce cap-là, il vous permet de vous retrouver et de retrouver les gens que vous aimez d'une façon qui est beaucoup plus entière. Vous arrivez là enfin, c'est un peu sombre quand même tout ça, mais là avec cette 10 de pentacle, et puis c'est quelque chose qui démarre, parce qu'on est sur une fin ici de cycle. Là, c'est ce que vous entamez, donc là on est sur quelque chose qui démarre. Et c'est de la joie, hein. Ça c'est vraiment la petite maison dans la prairie, c'est la carte postale qu'on a tous envie de recevoir ou qu'on a tous envie d'envoyer, vraiment. Vous avez des moments là, vous arrivez à profiter des moments qui vous font du bien auprès des gens que vous aimez, que ce soit vos amis, que ce soit vos familles, peu importe. Il y a vraiment cette idée que vous arrivez enfin à profiter de quelque chose qui vous a sans doute manqué. Vous arrivez à passer ce cap. Je ne peux pas forcément vous dire que vous allez rencontrer quelqu'un ou qu'il va y avoir une histoire, mais là, ce qui est sûr, c'est que vous retrouvez le goût des plaisirs partagés et vous arrivez à vous sentir vraiment bien.
Il y a une situation qui vous a peut-être privé pendant un temps d'être simplement heureux dans ce que vous aviez à vivre avec les gens avec lesquels vous étiez, peu importe les situations, mais qui vous a privé d'être heureux. Et là, vous arrivez de nouveau à éprouver ce sentiment de bonheur. Je pense qu'il était temps, hein, les Vierges. Je pense qu'il était vraiment temps pour vous d'arriver à voir un petit peu le bout de ce tunnel. Allez, ce vers quoi vous allez, on a la 5 de bâton et la 6 d'épée. On est sur des choses qui ne sont pas forcément calmes. Les 5 et les 6 sont souvent des choses qui sont un petit peu mouvementées, mais rien à voir avec ce que vous avez traversé. Je pense que c'est une période où vous allez vous protéger parce que vous êtes dans une phase de transformation qui vous demande là de savoir vous adapter. Quelque chose a sans doute changé de façon brutale dans votre vie et ce côté un peu inattendu comme ça et l'impact que ça a eu sur vous, vous revenez, vous relevez, mais vous vous relevez différent de ce que vous avez été. Donc maintenant, vous devez vous adapter avec le nouveau vous. Dans de nouvelles situations et des situations de vie. Donc, vous quittez quelque chose qui vous a beaucoup touché. Est-ce que c'est probablement pour certains d'entre vous une histoire qui a été très importante et vous avez besoin là de prendre encore un tout petit peu de temps pour accompagner ce processus de mise au passé de plein de choses. Vous avez besoin de faire la paix avec votre histoire et vous êtes en train d'amorcer cette guérison. Alors, oui, c'est peut-être un petit peu long, bien sûr. Mais vous avez quand même là déjà fait la partie, on va dire, la plus difficile et sans doute la plus laborieuse du chemin. Et vous n'êtes vraiment plus très très loin d'arriver à de nouveau pouvoir espérer plein de choses. Courage, hein, les Vierges, vous y êtes bientôt, hein, de toute évidence. Ça arrive, ça arrive. Donc soyez patient encore un petit peu, ça vient. Mais il faut traverser ces choses-là. Il faut se relever, il faut repartir du bon pied. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'apporter quelque chose en retour. Je vous souhaite un très très bon début d'été. Je vous retrouverai pour les énergies générales des signes du mois d'août. Si vous le souhaitez, vous avez en ligne les énergies générales du mois de juillet. N'hésitez pas à aller les regarder. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour votre écoute.